Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une très courte vidéo parce que j'ai envie de vous montrer, comme j'ai aussi des parents, des grands-parents, etc., qui peuvent se faire avoir, comment les arnaqueurs essayent de vous avoir par mail et comment vous allez pouvoir découvrir si les emails que vous recevez sont des vrais emails auxquels il faut répondre ou si ce sont des arnaques. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà donc sur mes mails et je viens de recevoir un email de soi-disant PayPal, d'accord? Mais cet email aurait pu venir du gouvernement pour parler des impôts, ça aurait pu venir de ma banque, ça aurait pu venir de n'importe où, de n'importe quelle institution, que ce soit privée ou publique. Les arnaques se trouvent partout. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va faire répondre. Voilà. Et au lieu de répondre, vous allez regarder en haut à qui ça va aller. Et vous voyez tout en haut, vous allez voir à qui vous allez répondre. Et c'est écrit A, et vous répondez à info@araa-ar.com. Donc déjà, là, vous savez que cet email est un spam et que ça ne vient pas de PayPal. Il suffit de faire ça. Vous faites comme si vous alliez leur répondre et vous regardez à quel email vous répondez et vous allez voir exactement que c'est un email auquel il ne faut surtout pas répondre, qu'il faut au mieux le supprimer, encore porter plainte, même si je pense que ça ne change pas grand-chose au final, mais il y a des sites sur lesquels on peut porter plainte, des sites du gouvernement. Là, de tête, je ne me souviens plus exactement lequel, mais en tout cas, ça existe. Donc voilà, que vous sachiez que tout simplement pour savoir si c'est un spam ou si quelqu'un essaye de vous arnaquer, vous faites répondre à l'email et quand vous voyez à quelle adresse vous êtes en train de répondre, vous savez tout de suite que ça ne vient pas de votre banque ou que ça ne vient d'aucune institution gouvernementale, rien du tout. Donc surtout, vous ne répondez pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir plus sur les arnaques que vous recevez par email. Surtout, ne vous faites pas avoir. Ça m'est déjà arrivé aussi de me faire avoir, vous inquiétez pas, malgré tout ça. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!